Document moins pral partager avec nous là, gagné une copie nommé président pays Colombia, gagné copie nommé ambassadeur chef Union européenne avec ambassadeur pays États-Unis dans pays la Colombie. Gagné une copie nommé quelques membres Congrès pays Colombie, gagné copie nommé ambassadeur OEA dans pays d'Haïti, c'est pas un bagaille petit du tout et dossier ça li remettez en question tout témoignage audio que Colombien ont fait. Document ça m'a parlé non, li sorti en Haïti. Tout 18 Colombiens qui fermaient dans prison de pays d'Haïti signé document ça. Premier pour m'a partager avec nous, c'est que capturé yo, yo affirmé dans document ça, déclaration audio côté que n'a dit oui c'est eux même qui t'ai tué Jovenel Moïse, qui t'a bail des détails sous Jean Bagala t'est passé et bien dans document ça mercenaires qui signent, yo dit que déclaration fait par TCPJ yo, yo t'ai fait sous contrainte, sous torture, sans présence avocat. Document continue pour dire bra li pour nous. Yo dénoncé enquêteur TCPJ yo, qui c'est la police judiciaire, qui t'a gagné des dépositions, des déclarations écrites que t'a forcé au signer alors que pour que j'aime parler avec yo. M'a prédit pour nous. Mercenaires yo dans document ça, yo dénoncé le fait que enquêteur DCPJ yo té gétan gagné déposition yo écrit sous papier alors que pour que j'aime poser une question. Donc là, moi imaginer que au fin force yo signer des déclarations en français et puis après ça qu'on y a pral forcer yo dit en espagnol ça qui écrit dans document ça déjà que té gétan signé. Troisième partie, moi noter qui très important. Mercenaire yo dit youn nan enquêteur principal nan DCPJ qui tapé, harcelé et torturé yo, li se yon spécialiste, selon ça, yon constaté, son professionnel, non seulement li foi, li calculé, li inhumé, li torturé et l'utilisé des équipements, et le connaît qui côté nan koyo pour te toucher, pour te torturer, pour te capable faire parler. Donc, pour eux-mêmes, c'est un monde qui spécialisé dans la question de torturer moun en dedans de CPJ. Nan quatrième point ça, contrairement à ça, nous te tendez, mercenaires, abdi, avec voix, yo, dans extrait, et que, notices caracol, t'es publié, et que m'fait traduit pour nous, yo. Yo dit que, innocent, nous avons été trompés, sans que vous n'avez plus de détails, dans le document, ça. Nous manifester innocence, nous, pour tout le monde clair sur ça. Nous c'est de bons Colombiens, avec une vie service, dans le pays Colombie. Yo trompé, nous, y a des monde en Haïti et États-Unis, qui trompé, nous, qui a cherché à accuser nous pour des bagailles que nous pas responsables. Tant pis, pas permettre que une injustice commette en ce qui a trait à nous-mêmes. Dans le document, yon même porté plainte. Attendez bien, mes amis. Colombien qui a accusation, qui était avoué dans le premier temps que yon touye Jovenel Moïse, et bien, dans le document, ça qui arrive pays Colombie, que le président Colombie avec un pilote monde est replacé au niveau international et national dans le pays Colombie, qui est là, mais yon porté plainte, yon dit, important pour nous signaler qu'à aucun moment, nous pas jamais fait aucune résistance, nous pas jamais affronter la police. D'ailleurs, yo prend comme exemple, yo dit aucun non policier qui t'a pété tirer sur nous pas blessé ou bien mouri puisque nous pas jamais objectif blesser personne moun. La vie aucun moun pas jamais en danger avec nous. Septième point. Dans même optique ça. Mercenaires dans document, yo parlé de Capador. Capador, c'est une nan principal chef yo sous place souterrain qui était responsable recrutement au dans pays la Colombie. C'est un nan moun qui mouri. Yo dit Capador te gagné un blessé léger avec un éclat grenade dans hanche li que nous t'ai soigné. Ensuite, yo prend, yo torturé et puis yo touyé. Dans huitième point, mercenaires colombiens tellement convaincus que c'est exécuté que yo exécuté police yo exécuté Capador. M'a rappelé que CNN non reportage était fait dans commencement dossier ça, t'es fait qu'on est que information que joine et sous quoi Capador fait qu'on est que le recevoir un balle de tête à bout portant. Eh bien, mercenaire dit que yo mandé pour autorité colombienne yo solliciter une autopsie indépendante approfondie pour confirmer nan plainte yo que effectivement chef yo souterrain Capador pas mouri pendant fusillade là et que c'est par la suite police yo prend yo torturer avant tuer. Plusieurs avocats nan question droit que qui parlent sur dossier ça yo fait connait que tellement gen violation de procédure gen vice de procédure nan façon l'État haïtien, autorité haïtienne, traité dossier colombien, mais presque certain, pas gagné aucun cours de justice indépendant,
que dossier ça a privé et que Colombien pas plagué un deux pas d'ap. Parce que coupable ou pas, innocent ou pas, maintenant il faut que règlement, il faut que procédure yo respecté. On parti sous principe que mes seigneurs fait menti. M'plaisait dire ça déjà. C'est des mercenaires, c'est des gens qui entraîné, nous pas qu'après toute parole pour la vérité. Et yo pas yo en position pour dire toute bagaille. Yo en position pour yo ka dire vérité, yo ka bay menti tout. On parti sous principe que question torture que yo parlé a et comme ça déclaration t'ai fait yo dit que t'es torturé, c'est à menti. Mais qu'il y a, c'est pral parole yo contre parole et autorité yo. Mais le fait que tout ça t'est fait sans pas de avocat, qu'il y a là, est-ce que parole yo pas pral prioriser sous parole officiel haïtien yo? Pour qui ça ou pas quitter ou bien avocat? Est-ce que si t'es un avocat, ou bien t'as qu'à parler de torture si avocat était là? Est-ce que yo t'as qu'à dire t'es torturé en présence ou avocat, ça t'apparaît invraisemblable, puisque torturer prisonnier devant avocat, c'est déjà un bagage qui est inimaginable. Donc, c'est pour me dire nous que, gon l'autre aspect n'a pas un bagage là. Est-ce que qu'on y a un plan autorité haïtienne qui complote et qui touille Jovenel encore? Yo pas fait exprès violer toute procédure yo pour capable quitter une porte de sortie pour Colombie ont libéré puis devant pour éviter une crise diplomatique avec la Colombie. Ou bien tout, est-ce que c'est pas mauvaise habitude dans habitude traiter nous-mêmes haïtiens en violation de toute procédure de toute loi qui fait que pour cette même bagarre là, yo porter bourré sur Colombien et puis yo pas respecter aucun droit yo. On d'accord que nous-mêmes en Haïti, la police a arrêté nous. Nous en avons avec l'État depuis toujours dans tout domaine, question droit, ça pas existé. Donc c'est peut-être tout, ou l'autre hypothèse, yo pas tenu compte qu'a fait Colombien, fait pas Colombien, yo fait même bagaille là, alors que yo pas rendre yo compte tellement amateur, yo tellement pas compte ça fait, yo pas dire rendre compte que puis devant, ça pral tourner contre puisque si yo violé droit Colombien effectivement, n'a facilement dans un procès pour yo libérer pour la loi, pour la justice libérer Colombien parce que toute procédure yo t'est violé en ce qui a trait à respect droit et détenu. Donc nouveau rebondissement dans cette affaire, Colombien yo voyez jeter tout ça a été dit dans la déclaration audio yo, yo fait connaître que c'était bâton, c'était menace la mort, c'était torture qui t'est fait audio et que pas jam gen avocat ça yo, yo fait audi ça a été vle dit. D'ailleurs, yo t'est fait aussi un aveu avant même que yo t'est interrogé yo. Ou pas qu'a fait mon signer déclaration sans pour qu'on interroge le qui ça a fait le signer puisque le pour parler. En tout cas, moi dit encore déclaration mercenaire yo nous ka toujours quoi yo mais faut prendre en pile bagala dedans sous pincette parce que yo en position pour défendre tête yo.